bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très 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 bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Dead Space, avec l'épisode, si je ne m'abuse, 17, voilà, ça avance plutôt bien et fort, et on était sur le Valor, un vaisseau qui nous avait foncé dessus, évidemment. J'avais trouvé un petit peu de soin, des petits trucs à gauche, à droite, et il y a une sorte de bombe nucléaire, hein, je pense, à diffuse avant qu'elle fasse littéralement tout exploser. Donc on va s'en occuper sans aucun souci. On avait déjà tout fouillé à ce niveau-là. On peut continuer. Let's go. Oh non, Miskin. C'était pas lui le ref. C'était pas là la caméra en vrai. Bizarre. Attends. Dommage. Ok. Ah, la récompense, c'est pas ouf, hein, pour avoir baisé toutes mes munes, hein. Les soldats devaient avoir des modules de stase sur leur armure. Lorsqu'ils se sont transformés, ces modules ont dû fusionner dans leur corps et les changer à tout jamais. Ils sont très rapides, Isaac. Restez sur vos gardes. Ok. Oh, c'est trop mignon, ça. Un petit soin comme ça. Oh, les problèmes. Non, c'est chiant, les gars, là. C'est que des problèmes sans problème. Bonsoir. Je vous laisse lire, les amis. Allez, mettez pause. Ok. Oh non, j'ai appuyé deux fois sur rond. Ça m'a baisé mes soins. C'est bon, il m'en reste deux. Ça va, tout n'est pas foutu. Bon. Dégage. Tout n'est pas foutu, néanmoins. Le cœur du plasma. Ici le commandant Cadigan à l'ensemble de l'équipage. Des forces hostiles nous ont attaqués. Les hostiles sont extraterrestres. Je répète, ils sont extraterrestres et très dangereux. À tout l'équipage, soyez prêts à tirer. Ok. Embêtant ça. Pourquoi il y a ça là? Pourquoi il y a ça? Bah écoutez, je sais pas. Ah, c'est bon, maintenant je sais. Ah oui, d'accord. Wesh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Wesh, c'est quoi cette rapidité? Oh là là! C'est quoi ce délire? Monsieur Clark, vous m'entendez? Je dois vous parler. Qui est-ce? Je suis le Dr. Kane, officier scientifique en chef de l'Ishimura. J'étudiais le monolithe pour l'église. Je ne parle plus aux unitologues. Mais la planète ne trouvera pas le repos tant que le monolithe n'aura pas été restitué. Vous ne pouvez pas partir. Je vais me gêner. Ok. C'est la merde. C'est la merde partout. Risque de radiation.
Oh là là. J'espère qu'on va pas rester une éternité ici. Attention, risque de radiation. Attention, risque de radiation. Attention, ogive instable. Éloignez tous les matériaux explosifs. Ah. Je viens de comprendre les risques d'explosion, effectivement. Ce n'est pas des menteurs. Ok. Donc il faut vraiment pas tirer rien. Ah, c'est embêtant. On va devoir faire le tour alors, c'est ça? Non, mais non, mais je savais tout se péter. C'est pas juste. Aïe, c'est pas juste. Donc en fait, ça suffit pas de tous les péter. Oh là là. Je rappelle que c'est des monstres kamikazes, hein. Je n'ai pas tiré, évidemment. Et ensuite, je ne comprends pas. Éloignez tous les matériels. J'ai compris. J'ai compris. Puissance requise. Non, mais là, il y a un problème. Ok. C'est la merde, hein. Ok, bon ça va, c'était une... Ok. Très bien. L'ogive a été éjectée. Contact du pont en cours. Très bien, l'ogive ne nous ennuiera plus. Hammond, il y a quelque chose qui cloche. Si le Valor était en patrouille, pourquoi transporter une bombe? Bah oui. Et s'ils avaient une cible en tête, ça pourrait être qui à part nous? Ouais, je sais. Je suis en train de télécharger un rapport sur les munitions. Je vais dégager un passage jusqu'à la salle des moteurs. Récupérez ce réacteur et sortons d'ici. Ok. Ça va. Ça peut explose. Ça peut être incroyable pour économiser des munitions. Petite save, hein, ça nous a coûté, hein. Let's go. Ok. Il va falloir aller là. Et la question, c'est qu'y a-t-il là-haut? Ok. Rien de toute évidence. Oh.
chiant. Ça s'explose ? Ça s'explose. Ça, mon pote, ça s'explose bien même. Ok. Très bien. Très bien. Bon, on revient aux armes de base, j'aime bien. Ok. Ok. C'est pas vrai ça. Ça on va le récupérer, j'en ai rien à péter, je vais faire ma vie avec. Attends. Ouais, j'ai bien dit que j'allais faire ma vie avec. Oh waouh. What a problem. Le pas de tir. Attends, on dirait une zone bonus, non? Attends, je vais récupérer mon truc là quand même. On dirait une fucking zone bonus. Si c'est le cas, j'aime bien. Ok. Si je suppose, hein, d'accord, que si on joue le jeu, on doit être quand même récompensé, non? Pas de tir activé. Attention, exercice de tir réel. Vers l'ennemi. Ah. Erreur, pas de tir hors service. Veuillez contacter la maintenance. Ok. Eh ben écoutez, ça... Bon, j'ai perdu 100 de munitions, mais c'est pas bien grave. Mais en vrai, je trouve que... Je trouve qu'il y a eu récompense. Si en plus on va fouiller tous les ennemis là, que j'ai arraché, c'était plutôt cool.
Très bien. Très bien ça. Ok. Et là? Et là? Ok, 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 ok. Très très bien. On est reparti les amis. J'aurais vraiment dû... Putain, je l'emmène avec moi, je l'utilise même pas. C'était une belle salle bonus. C'était une belle salle bonus. Néanmoins, j'ai quand même perdu... J'ai quand même perdu mes quelques grosses munes. Juré, frère. J'ai entendu un mec suffoquer là. Il va prendre sa merde de fou. Mal ça. J'ose croire. J'ai cru que ça allait exploser. Zach, vous entendez ça? C'est Jen. Sur l'Oliaric. Est-ce que je l'ai enfermé vivant? C'est pas possible! Jen est mort! Je sais reconnaître mon caporal! Jen, répondez! Oh là là! Bon, c'est terrible, hein! Je parle pas beaucoup dans ces aventures! Putain, je ramène mes bonbonnes dans tout le vaisseau du Valor et je les utilise jamais, je suis mort! À chaque fois, il y a un truc qui m'empêche de les utiliser! Ok. Bougez pas! Bougez pas, bougez pas, bougez pas, on va refaire une petite prog. Ok, on est bon. Ok. Yo les gars. Ah!
plaindrait. J'ai des munitions de tout, de la terre entière. Comment, j'ai trop de questions là. Ok, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Et j'ai presque plus de munitions, superbe. On repart à zéro. Oh là là, terrible. Ok. Très bien. Un petit peu de crédit pour les braves. Toujours un peu de crédit pour les braves. J'ai pas utilisé le décor, mais enfin. Pas grave. J'ai le rapport sur les munitions du Valor. Il n'y avait pas qu'une bombe. Ils sont venus faire la guerre. Ils sont venus nous détruire. C'était pas une patrouille. Ils étaient au courant pour les Shimura. Quelqu'un savait. Nous étions morts dès le moment où nous sommes arrivés. Circuit à revendre là. Energy losses. Ok. Oh, c'est chaud, les amis, hein, c'est chaud. Pas autant de bonus que ça, hein. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? J'avais vraiment tout fouillé. Ok. Là, on avait un truc explosif, dommage. Dommage, dommage, tout ça, ça loot, c'est ça? Quelle tristesse. Quelle tristesse. J'essaye de checker en hauteur s'il n'y a pas des petites caisses bonus. Des trucs qui mettent très bien. Bien, bien, bien. Ok. Ah, les gars, je refais pas deux fois le même boss. Hein. J'ai plus assez de mun. Hein. Je vous dis, on est mort. Hein. Bon, par contre, ils ont pas menti, ça se déplace vraiment, vraiment vite. Ok.
Pas mal, on continue. Des petits Creed. Assassin's Creed. Ok, on va save. Allez, je sais pas du tout ce qui va m'attendre. C'est parti. Quelle galère. Ok. Il y a un bonus de fou à droite, les gars, donc je vais aller chercher. Très bien. Ok, on a quoi là? Yes. Ok, on a quoi là? Yes. Et là, on a rien d'autre? Très bien. Non, attends. Ça me gêne pas de tout refaire. Hein. Le feu, finalement, c'est peut-être une protection. Hein. Très bien.
j'ai tellement bien fait de réactiver. Ok, allez, on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien, tous les autres. Bye bye.